et bienvenue dans ce nouveau journal du SMT. Nouveau journal, nouvelle semaine. Salut Fred. Salut Morgan. Ça va? Ça va, fraîchement. Oui, un petit peu, et puis humide hein, ce week-end. Mais bon, ça n'a pas empêché justement les matchs sur les terrains, heureusement, hein, contrairement à il y a deux semaines de ça. Et bah, pour ça, tu vas nous parler de suite des résultats du week-end. On commence par les U16 qui s'imposent 6-0 face à l'Étoile Chapelaine. Match nul des U18 face à l'ESNA, 3 buts partout. En Coupe de l'Aube féminine, belle entrée en matière de nos seniors qui s'imposent 2-1 face à Bar-sur-Aube. En U19, notre R2 réalise une belle prestation en amicale face au RCSC, équipe qui évolue en R1 après avoir mené à la mi-temps 2-1. Les deux équipes se quittent sur un nul 2-2. Deux rencontres de D1 pour notre formation qui réalise d'abord le nul 2-2 face à Valenfontaine et malheureusement défaite cet après-midi face à l'Étoile de Lusigny par 3-1. La R3 s'impose 4-0 face à Andlau-Rimaucourt. Défaite de notre R1 face à Saint-Mémin, 4-0. Enfin, pour terminer, ce fut un match très serré mais malheureusement nouvelle défaite de la N3 en déplacement face à la réserve du Racing Club de Strasbourg par 1-0. Voilà pour les résultats du week-end. Malheureusement, la Nationale 3, une fois de plus, défait. Match serré, a priori, hein, Fred, un but sur corner dans les premières minutes de jeu. Oui, bah, Mermoz m'a fait son petit commentaire. Oui, bah, comme tu disais, premier corner contre nous, et puis on se prend le but, et puis tout le reste du temps, bah, on a couru après le score. Les deux équipes finissent à 10 contre 10. Avec Sylvain qui se prend deux jaunes, apparemment le deuxième est très sévère. Donc voilà, bah, c'est une nouvelle défaite. Donc on maintient le cap en dernière position. Voilà. Il va falloir serrer les dents pour réussir à remonter tout ça avant la fin de l'année. Bah, t'as également des résumés, hein, puisque bah, les féminines qu'on a reçues la semaine dernière ont encore gagné. T'as oui, avec plein de photos, plein de vidéos. Enfin bref, donc c'est sympa. Donc notre équipe senior continue sa belle dynamique et s'impose ce matin sur le terrain de Bar-sur-Aube sur le score de 2-1. Encore une super prestation des filles. À noter également la prestation de Susan, deuxième avec le groupe, et la première de Julie qui auront su apporter une réelle plus-value à l'équipe. Donc deux joueuses qui jouent actuellement en U18. Match pourtant entamé de la plus mauvaise des manières pour les filles qui auront mis du temps à rentrer dans le match. L'équipe locale était en place et avançait, nous mettant en difficulté dans les duels et marquant le premier but de la rencontre sur une belle frappe lointaine sous la barre. Remobilisation de l'ensemble de l'équipe qui a su reprendre le jeu à son compte et de bien belle manière, avec des phases de jeu très intéressantes, créant ainsi de nombreux décalages. C'est une très belle remontée de ballon avec un débordement de Mélanie, conclu par un centre que Susan fera la différence. Deuxième mi-temps passé dans le camp adverse avec une très nette volonté de passer devant au score. Susan doublera la mise et son compteur par la même occasion sur un bel enchaînement contrôle-frappe. Match globalement maîtrisé où les filles auront su faire preuve d'envie et de volonté pour se remobiliser et imposer son jeu. Félicitations à tout le groupe pour cette première en coupe, nous donnant maintenant rendez-vous le 24 novembre pour le deuxième tour. C'est un résumé de Sylvain. Sylvain, hein, qu'on a reçu la semaine dernière, donc merci à toi Sylvain, et puis bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez des résumés de matchs et d'équipes que vous allez voir ou que vous entraînez, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, de manière à ce que Fred puisse aussi en parler dans le journal. On a également un résumé des U19 hein, en match amical face au RCSC, Fred. Voilà, c'est ça. Donc Fred m'a envoyé un petit message. Les U19 ont bien joué vendredi soir en amical contre le RCSC. Très bon match dans sa globalité. Je suis fier des joueurs contre une équipe qui joue à un niveau supérieur. Le RCSC au score en premier, 2-1 pour nous à la mi-temps. Score final 2-2, sachant que l'on a loupé un péno et que l'on frappe deux fois sur les poteaux. But de Reda et de Marc, merci, mais beaucoup, vraiment beaucoup de satisfaction défensive comme offensive. Donc ça, et puis on a eu également le stage cette semaine, le stage cover, hein, avec en partenaire le Petit Royal, oui. Le restaurant hein, qui a nourri, on va dire, nos éducateurs et nos joueurs. Donc un petit résumé de Gaëtan. Donc le stage s'est déroulé sur 4 jours. L'éducateur qui était en charge du stage est un éducateur formé par Corver.
et qui travaille pour eux. Il est venu de Strasbourg. Il y avait un effectif de 12 enfants, dont une fille. Le contenu du stage, des exercices techniques, des jeux, des matchs à thème, tout en étant en rapport avec la méthode Coervert. Concernant le repas du midi, il était fourni par le petit Troyen. Au niveau du temps, il a fait plutôt gris et ils n'ont pas eu de pluie, donc ça s'est bien déroulé. À la fin du stage, les enfants ont eu un t-shirt Adidas en cadeau. C'est cool ça. C'est cool. Voilà. Merci à Gaëtan, d'ailleurs. Plein d'images et de vidéos. Voilà, merci à Gaëtan pour tout ça, Gaëtan qui bosse dans l'ombre, mais qu'on aura bien sûr dans le journal dans peu de temps. Et il a, on va dire, de l'or dans les mains, puisqu'il fait des beaux montages que nous aurons l'occasion de passer dans le journal. On va maintenant passer un petit peu à l'arbitrage. On en parle très peu, que ce soit dans notre journal comme dans les autres. Mais l'arbitrage est important dans le foot. Comme le président dit souvent, pour faire un match, il faut un arbitre. Et en parlant d'arbitre, on va accueillir Denis Derennes, qui est arbitre au FC MT, mais pas que, puisqu'il est formateur également à la section du collège Eureka. Et Denis va être éclairé cette semaine par les médias, puisque tu vas passer sur France 3, puisque France 3 est venu ce lundi pour faire un petit reportage sur cette section. Salut Denis. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité ce jour pour vous présenter un petit peu l'école d'arbitrage de la section. Donc cette année, moi je suis fier avec mon collègue Yacine Difalo, qui est professeur. Et Yacine intervient lundi, et moi j'interviens le mercredi, en théorie, pour apprendre aux jeunes tout ce qui est l'arbitrage, surtout la gestuelle, comment il faut mettre des cartons. Souvent, nous les arbitres, on est quand même contesté parce qu'on met des cartons, mais un match, ça se tient quand même pendant 90 minutes. Et des fois, c'est très compliqué. Donc, les jeunes sont là. On a un bon groupe. On est 22 avec deux filles. Et on va en présenter 6 à l'examen cette année pour le club du FCMT. Et j'espère que les garçons et les filles vont pouvoir nous apporter un peu de renfort pour le club. C'est bien, il est tellement préparé qu'on n'a pas de questions à poser. Il arrive, il raconte déjà tout, mais tranquille. Donc il y a France 3 qui est venu. Le reportage sera bien sûr sur... puisque la caméra du FCMT était bien sûr présente. Donc il y aura aussi le reportage sur la page Facebook et puis YouTube sur la chaîne de Fred. C'est important aussi pour les enfants et puis pour le collège. C'est très important, surtout qu'il y a le proviseur qui est là, M. Jourdain, qui nous supporte beaucoup toutes les semaines, qui vient nous voir en cours avec son adjointe. Et c'est vrai que c'est très intéressant de travailler avec les garçons. Donc on a fait un peu de gestuelle, on a fait des matchs, on a présenté, moi j'ai présenté la section avec Yacine, on a discuté. Et je suis fier du travail qu'on fournit tous les deux. Donc voilà. Pour le reste des équipes de France 3. Ça va, c'est très 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 sympa. J'ai été très touché et c'est vrai que ça me fait drôle de se retrouver devant la caméra. Bon, on est bien aussi ici. On est bien aussi ici, on est bien accueillis. Fred, une petite question à ce sujet. J'avais pas tellement de questions pour le moment, mais vous pouvez continuer à discuter. Je prépare une autre question. Alors prépare ta question, moi j'en ai d'autres. Hein. Reste bien près de nous, Denis, sinon tu vas sortir de l'écran. France 3, on a dû te le dire, ça d'ailleurs. Oui. je sais que tu as des petites pépites aussi, des jeunes qui commencent déjà à aller un petit peu plus haut et qui avancent très bien. C'est toi hein, qui coordonne tout ça et qui fait que tu supervises aussi, tu les accompagnes beaucoup les jeunes. Oui, et là je viens d'apprendre, aujourd'hui je viens d'apprendre que le petit Kraft est monté en ligne. Clément Kraft, que j'ai eu à l'école d'arbitrage, qui est resté 3 ans avec moi. Et là je suis fier de montrer que les jeunes sont là. Et l'année dernière j'étais parti avec Yacine Difalo à Montpellier avec un jeune qui est maintenant... qui est au lycée et qui a passé, qui était en France avec moi et qui a fini premier, qui a fait les finales. Donc c'est une fierté pour moi à 54 ans de pouvoir emmener les jeunes, et jusqu'à temps que je pourrais arbitrer, j'arbitrerai et je serai avec le club du FCMT. On sent que t'aimes ça. Ça fait quoi, 22 ans, 23 ans toi, Carlos ? Ça fait 23 ans que j'arbitre. Donc j'ai connu, je vous ai arbitré, je vous ai connu en tant que jeune. Et ça me fait drôle d'être là ce soir pour expliquer un petit peu ce que je fais un peu dans le club. Donc j'arbitre tous les week-ends et le mercredi je suis au collège Eureka pendant 1h30. À savoir que t'as jamais joué au foot ? J'ai jamais joué au foot de ma vie, donc c'était dur au début,
Mais maintenant, hier, je vole et j'ai monté cette année en élite, district élite. Donc, je fais de la première série au centre et de la R3 en ligne. Et tu en es venu comment à l'arbitrage, Victor? Je suis venu en allant voir un match. J'étais au RC à Saint-André. Et j'ai regardé un match et j'ai voulu rentrer à l'arbitrage. Donc, j'ai essayé. C'est le RCSA, dans ce temps-là, qui m'ont proposé pour venir arbitre. D'accord. Et je suis resté directement. Si on fait les petits calculs, 22 ans, c'était la Coupe du Monde, donc je pense qu'il a vu Zidane marquer, il s'est dit un jour j'arbitrerai. Voilà, j'aurais pu y mettre un carton aussi. Mais écoute, c'est bien sympa. Après, du coup, ça se passe comment, on va dire, une année scolaire pour les arbitres? Reste bien vers nous, Denis, sinon on t'aura plus dans le cadre. L'année scolaire, parce que du coup, c'est une mention en plus pour eux dans leur cursus scolaire. Bah, c'est des garçons qui vont travailler, on les a en 6e, 3e, 4e, 5e, et c'est des garçons qui peuvent choisir un club. Donc, c'est-à-dire que nous, le FCMT, si on a besoin d'arbitre, en urgence, parce que il faut qu'on couvre, comme on est une équipe qui joue en National 3, il nous faut quand même 8 arbitres, il nous faut 4 majeurs et les mineurs. Donc, on propose aux garçons de venir au FCMT, et les autres qui ont passé leur examen, on peut proposer aux clubs, aux bois, qui sont embêtés pour avoir des arbitres qui viennent chez nous, qui viennent directement. Mais à mon avis, la question, tu ne l'as pas trop comprise. Par rapport au cursus, par rapport au scolaire. Par rapport au scolaire, ouais. c'est un supplément sur leur planning, on va dire, de la semaine. Oui. Mais est-ce que ça compte pour les examens? Ça compte au bac, quand ils vont quitter le collège, ils vont aller au lycée. Donc, excusez-moi, j'ai pas trop compris votre question. Donc, quand ils vont aller au lycée, quand ils vont passer leur bac, ça leur rapporte 16 au bac. Ils partent avec une note de 16. Pour le bac. D'accord. 16, mais sur le sport, sur le sport, sur leur moyenne, quand ils passent leur bac. Donc c'est 16 points finalement. 16 points, de voilà, c'est ça. C'est aussi important, je pense, pour les jeunes, puisque certes, c'est 1h30, donc Mercredi. Le mercredi et le lundi. Et le lundi, Yacine les prend le lundi. Mais 2 heures. 2 heures, il les a, Yacine, en pratique. Donc ils font de la gestuelle, ils arbitrent des matchs en foot en salle, parce qu'on a quand même du NSS. Tous les mercredis, et des fois, moi, comme je travaille à la commune de Pont-Sainte-Marie, je pars avec les garçons. Je pars avec les garçons et on est là et ils ont les oreillettes et on peut leur communiquer tout ce qui la gestuelle, comment faut se placer sur un terrain et voilà. Donc on arbitre les sections de football, les stacks, l'UFC. Mais donc finalement, c'est bien 3h30 par semaine en plus de leur planning à c'est la base, ça, c'est ça. Celui qui ne fait pas arbitre à 3h30 de moins, voilà, c'est ça, son planning. C'est donc ça. C'est bien ça, mais c'est important puisque finalement ça rapporte aussi des points pour le bac pour ceux qui veulent passer le bac. Voilà, c'est ça. C'est très bien. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais ça rapporte des points pour le bac, donc c'est très important. T'as commencé la section il y a 2 ans, 3 ans? Ça fait 11 ans qu'elle existe, la section. Ah, 11 ans, ouais, vous 11 ans. 7, 8, on était 8 au départ et maintenant on est 22. Donc, comme quoi le travail paye, puisque. Donc, il y a même des filles, hein. C'est pour ça que j'ai fait un film la semaine dernière. Voilà. Il y a deux filles, ouais, deux filles très intéressantes. Il y en a une qui serait intéressée, en fait. Hein. Je sais plus qui. Ah oui, une qui est venue la semaine dernière dans le journal. T'as regardé le journal la semaine dernière? J'ai regardé le journal, je regarde votre journal et c'est très intéressant à voir votre journal. C'est vrai que c'est un... Moi, ce soir, je suis impressionné. Je le montre pas, mais je tremble de partout. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a une flaque par terre. Donc, t'as suivi ce qu'elle a dit la semaine dernière par rapport à l'arbitrage? Qu'elle voulait venir à l'arbitrage. Donc, faut nous l'envoyer, cette jeune fille. Donc, t'es un menteur, parce que juste avant le journal, tu nous as dit que t'avais pas regardé le journal cette semaine. Non, j'ai pas. Non. Ah. J'ai pas dit ça. Mais voilà, effectivement, elle voudrait passer ses diplômes d'arbitrage et arbitrer. Donc, voilà, on lui a clairement dit, mais justement, il faut se lancer. Et on a dans le club, justement, des personnes qui s'occupent de ça, dont toi, Denis. Oui. On a Abdel, hein, qui est référent, des arbitres. Oui. Hein, puisque c'est quand même, on va dire, relativement encadré. Mmh. On a le référent des arbitres, mais on a aussi des personnes qui s'occupent des jeunes et puis de la formation. Donc, c'est important, je pense, dans un club. Oui, c'est très important, surtout qu'il faut rentrer dans le statut de l'arbitrage. Surtout que nous, notre équipe première en N3, il faut quand même 8 arbitres. Mmh. Si vous n'avez pas des arbitres, vous prenez des amendes. Il y a des amendes qui sont distribuées au club et vous n'avez pas le droit d'avoir des mutés en plus. Mmh.
Donc c'est vrai, c'est une fierté d'être arbitre au club du FCMT. Donc nous, on ne peut pas arbitrer le club FCMT, mais par exemple, pour faire tous les matchs de préparation de cette année, moi j'ai eu une expérience avec Monsieur Montero, Jean-Louis Montero qui est entraîneur de la N3, j'ai fait toute la préparation et c'est vrai que ça nous aide beaucoup pendant notre saison d'arbitrage. Ça vous fait un peu la préparation physique aussi, finalement. Voilà, c'est ça. Et puis on a fait des matchs de. J'ai arbitré quand même des matchs de N2, des matchs de N3, des beaux matchs et j'en suis fier d'avoir apporté et ça m'a fait préparation physique. Donc voilà. Bien. C'est bon pour toi ? Bah oui, c'est bien, c'est très. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Denis ? Nous, on n'a plus de questions. Non, merci de m'avoir invité ce soir. Mais c'est normal. Et en plus, on accueille tout le monde, hein, celui qui veut venir. Mais preuve en est, c'est lui qui a appelé pour venir et présenter justement tout ça. Et t'as vu, c'est vrai qu'on est en contact quand même depuis une petite quinzaine de jours, déjà au sujet de France 3 qui vient. Et puis c'est vrai que c'est bien de faire un peu la lumière sur. Sur l'école qui est quasiment unique en France, qui est à Pont-Sainte-Marie, donc qui est chez nous. Donc c'est quand même bien. C'est vrai que c'est unique en France. C'est quand même bien d'en parler. C'est vrai que Patrick Blanc avait fait un petit reportage pour la Ligue. Oui, c'est ça. Qui était passé sur le site de la Ligue. Oui. Bon, maintenant c'est France 3, bientôt TF1, voire Canal+. Bientôt, peut-être Canal+, et puis peut-être aller faire des matchs à haut niveau, peut-être le PSG un jour pour moi et mes collègues arbitres. Voilà. Donc, pour toi, je pense pas. Écoute, merci en tout cas à toi d'être venu. On va maintenant passer au match du week-end prochain avec toi, Fred. Pour ce week-end de reprise pour l'ensemble des équipes, ce sont plus de 42 équipes qui seront présentes sur tous les terrains. Pour les retours de vacances scolaires, on commence ce programme du nouveau week-end avec les plateaux du FCMT Academy. D'abord en U7, les plateaux de football seront organisés sur 3 sites différents. Ils se tiendront à Souligny, à Tourvilliers et au complexe Jean Bianchi à Saint-André-les-Vergers. Ensuite en U9, les plateaux auront lieu sur 4 terrains à Aix-en-Othe, au Nopré-Trois, au complexe Raymond-Laurent de Rosières, puis à Merget. Rendez-vous pour tous les enfants et les parents le samedi matin à partir de 10h. On poursuit la reprise des plateaux avec la catégorie U11, avec plus de 5 plateaux organisés autour de la métropole troyenne. Parmi nos 8 équipes, la 1 et la 8 évolueront au complexe Henri Terré, la 2 et la 7 à Messon, l'équipe 3 se rendra au complexe de Foissy chez les municipaux, la 4 ira plus au sud à Saint-Julien-les-Villas au stade de la Burie, les équipes 5 et 6 se déplaceront au complexe Yves Piedéry, ainsi qu'au S3 Indoor à la Chapelle Saint-Luc. Le début de ces différents plateaux est également prévu pour 10h. En compétition district U13, l'Excellence défiera l'Estac, complexe sportif de l'Aube, sur le terrain du bas pour la 6e journée de championnat ce samedi à 15h. Pour un deuxième derby d'affilée qui constituera l'affiche du jour puisque ces deux équipes occupent à l'heure actuelle les deux premières positions au classement provisoire. La reprise va également retentir pour nos trois équipes U14. La R1 8e va repartir sur les chapeaux de roue en allant se confronter au stade de Reims, situé juste derrière elle en 9e position ce samedi à 14h30. Dans le même temps, district U14, l'équipe 2 recevra l'Asofa Marigny au 3e terrain du complexe Henri Jacquot, alors que l'équipe 3 aura un petit déplacement chez la JS Saint-Julien au stade Gambetta. Les deux autres matchs débuteront quant à eux ce samedi à 15h. En R2, les U15 9e rechaussent les crampons pour la réception de Tessy, une autre équipe de l'agglomération rémoise, sur le terrain principal du complexe Henri Jacquot ce samedi à 15h. L'objectif pour le FCMT sera d'aller décrocher un deuxième succès, tandis que Tessy n'a pas encore inscrit le moindre point cette saison. Après son large succès en Coupe de l'Aube, nos U16 s'apprêtent à s'attaquer à un gros morceau pour cette 7e journée du championnat district en recevant le leader invaincu, le FC Morgenbois, au stade Émile Buc ce samedi à 14h30. Chez les U17, notre équipe R2 sera en déplacement en Haute-Marne avec une confrontation face au FC Chaumont, prévue ce dimanche à partir de 12h30 sur le terrain synthétique de Plaire-Flamion. Du côté des U18, notre équipe va avoir un petit peu de route à effectuer en prenant la destination de Viret-sous-Barre pour un match de championnat face à l'entente vaudoise Viret ce samedi à 14h30. Le lendemain, la demi-journée, la R2 U19 ira jouer dans les Ardennes, dans la ville de Tournes, avec une confrontation face à Tournes-Rhinvaise dimanche à midi.
Enfin, en catégorie senior, notre D1 sera de retour à Fontvannes pour un match à domicile face à la réserve de Saint-Julien. La R3 se confrontera à une autre réserve, celle du Chaumont FC au complexe Henri-Jacot. Notre équipe R1 sera donc la seule à voyager en dehors de Troyes et se déplacera chez l'USC Clarence, une équipe du milieu de tableau. Pour finir, notre équipe Fagnon enchaînera avec une seconde équipe réserve consécutive, cette fois-ci pour un grand derby face à l'Estac au complexe Bianchi. Ces quatre rencontres débuteront ce dimanche à 14h30. Voilà pour les matchs du week-end prochain. Encore de nombreux matchs, hein, puisque c'est la rentrée. C'est la rentrée, donc tout le monde repart, hein, de l'académie jusqu'au senior. Donc c'est vrai que ça va faire une perte de matchs, quoi. Oui, donc avec le temps qu'on a en ce moment, il y en aura ça va être un peu compliqué. Il pleut pas mal cette semaine, a priori. Pour l'instant, mais à mon avis, il va y avoir pas mal de matchs. Tu nous as annoncé également un beau derby à Bianchi. Oui, un beau derby à Bianchi face à l'Estac. Donc, j'espère que ça sera notre première victoire. La seconde, on a déjà gagné. Ah oui, notre deuxième victoire. Enfin, la première depuis pas mal de temps, donc c'est pour ça que j'avais oublié la première. Tu seras certainement en arbitrage, toi, le week-end prochain, Denis. Tu seras pas au match? Non, je vais à l'Étoile Chapelaine, faire Étoile Chapelaine en première série contre Méry, dimanche. Bien. Au centre? Au centre, oui. Avec deux assistants, je sais. Comme aujourd'hui, j'étais à Saint-Julien, Portugaine de Jean, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que le temps, c'était pas terrible, mais on est arrivé à aller au bout du match. Bon, à savoir que Denis a un petit toc, c'est que jamais il va au foot en survêtement. Denis est toujours... Oui, il arrive... N'est-ce pas ça, la classe. Oui, je peux pas, depuis que je suis arbitre, moi, je me dis, je peux pas arriver en survêtement, je suis obligé d'être habillé comme je suis habillé. Et... comme en Ligue 1, quoi. Voilà, pareil. Mais je suis pas arbitre de Ligue 1. Ça se saurait. Tu m'aurais pas arbitré sinon. Ah, non, voilà. Moi j'étais un bon joueur. Très bien. J'étais pas méchant. Tu as pas changé, t'es toujours le même. De temps en temps t'avais des petites colères, mais ça allait, on est calmé avec les cartons. Oh, tu m'en as pas mis beaucoup. Non, pas beaucoup. Hein? Non. On trichait à l'époque. Ils avaient le droit, maintenant ils ont plus le droit. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait tout, Fred. Quelque chose à rajouter? Non. Denis non plus? Non plus. En tout cas, merci à toi d'avoir été présent et de nous avoir appelé pour venir, parce que ça nous fait plaisir et puis ça permet justement de parler de l'arbitrage. On aura également, à la suite du journal, le reportage de France 3 et puis la caméra du SMT qui était présente pour justement filmer un petit peu l'ombre de tout ça. Fred, merci à toi également d'avoir été présent. On se donne bien sûr rendez-vous toute la semaine sur les terrains, sur les réseaux sociaux ainsi que le site internet, puisqu'on parlait de Gaëtan tout à l'heure et Gaëtan met à jour de plus en plus le site internet, donc vous avez beaucoup d'infos également sur notre site. Et puis bien sûr sur les terrains le week-end prochain, comme à Bianchi face à l'Estac, le derby, on espère remplir la tribune. Messieurs, merci à tous, bonne semaine à tous, à très bientôt. Salut.